derrière lui qu'il faut avancer, c'est pas devant. Avance, avance maintenant. Fais gaffe, hein. Surveille. Tu vois, il faut passer derrière, toujours derrière. Faut que tu enlèves tout ce que sont tes parents ou tes cousins, tout ça. Vous êtes en examen, on vous a demandé de couper les accessoires, le moteur, et là vous allez contrôler le feu de le ou les feux de marche arrière. Alors avant de contrôler le feu de marche arrière, il faut que vous mettiez le circuit électrique en route, que le circuit électrique. Voilà, comme ça. Ou vous mettez la carte, vous tirez la carte, vous la remettez, ou vous tournez la clé. Après, vous enclenchez la marche arrière en appuyant d'abord sur l'embrayage, bien sûr. On entend le bip bip, prenez le feu de marche arrière. Les feux de marche arrière fonctionnent donc, ils sont propres, ils fonctionnent, ils sont en bon état. On va vous demander à quoi ça sert, c'est pour éclairer la zone de marche arrière et prévenir les autres usagers derrière que vous faites une marche arrière.